Le parcours d'Emilien, présent depuis le 25 septembre dernier dans les 12 coups de midi, attire les regards. À tel point que certaines personnes ont repris contact avec le maître de midi, mais aussi avec sa petite amie Jessica. Emilien vit un véritable conte de fées. Depuis le 25 septembre dernier, l'étudiant de 20 ans rayonne dans les 12 coups de midi. Ce vendredi 3 novembre, le jeune homme a même remporté une deuxième étoile mystérieuse d'une valeur de 41 887 euros de cadeaux. En plus de son succès personnel, le Vendéen dope les audiences de l'émission quotidienne de la Une. Forcément, il attire de nombreux regards. Au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs, le jeune homme et sa petite amie Jessica ont indiqué avoir reçu quelques messages de personnes de leur entourage avec lesquelles ils n'avaient plus vraiment de contact. Ça me permet de reprendre contact. Emilien a été recontacté par des proches grâce aux 12 coups de midi. Le couple apparaît à l'écran depuis le 25 septembre, date de l'arrivée d'Emilien dans les 12 coups de midi. Comme le succès d'audience de l'émission quotidienne de la Une n'est plus approuvé, Emilien connaît une notoriété inédite pour lui. D'autant plus que sa cagnotte globale est de plus en plus garnie et que sa générosité avec ses proches n'est plus à démontrer. Certaines personnes ont repris contact avec moi, commence-t-il par expliquer. Il nuance en précisant qu'elles ne sont pas mal intentionnées, viennent le féliciter et ne cherchent pas d'intérêt particulier. Ça me permet de reprendre contact avec ces personnes, sourit-il. On me parle beaucoup d'Emilien. Jessica a aussi reçu des messages suite au parcours de son petit ami dans les 12 coups de midi. Emilien n'est pas le seul à avoir reçu des messages, sa petite amie Jessica aussi. On me parle beaucoup d'Emilien, concède-t-elle. Elle non plus n'a pas eu de demande intéressée. On reçoit des messages de gens avec qui on a plus de contacts, comme des anciens amis qui nous ont vus, mais rien de très poussé, complète-t-elle. Elle précise tout de même qu'on lui parle énormément de l'émission et donc de son petit ami. Même ma famille, nous dit-elle. Un peu timide, la jeune femme avait hésité à apparaître à la télévision. Si est-il pour ça qu'on voyait la sœur d'Emilien au départ, nous explique-t-elle.